Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine, vous le savez, vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui va sortir en salle et sur Netflix un peu plus tard. Rappelle-moi un peu quel est le concept de la sortie, Thibaut. C'est en Belgique uniquement en salle? Comment Oui, ça bah se passe? bien sûr, c'est bien la France, hein, ils ont pas droit, ils ont pas voix au chapitre. Alors ça sort ce 13 juillet normalement en salle et ça sort le 22 juillet sur Netflix dans le monde entier. Voilà. Très bien, c'est le Donc nouveau film. une petite semaine d'exclus seulement pour ce film-ci, alors que d'habitude on est plutôt à 2 voire 3 semaines d'exclus. Enfin voilà. Ouais, petite semaine d'exclus pour un film qui est XXL, hein. C'est les frères Russo qui viennent filmer un film chez Netflix. Frères Russo qu'on ne présente plus, hein. Winter Soldier, Avengers, Infinity Wars, etc., Endgame, enfin bref, les nouvelles coqueluches chez Disney et Marvel qui nous font des films à effets spéciaux très réguliers. De temps en temps, ils essaient de faire autre chose. Ça marche rarement. Hein. On pense à Cherry avec Tom Oui. Holland. C'était pas Oh là là, ouf. ce plan dans le trou de balle, je m'en suis jamais remis. Voilà, donc c'est. Disons qu'ils ont un créneau et ils le font bien. Maintenant, dès qu'ils sortent un peu, ça devient compliqué. Alors, c'est un film d'action, d'espionnage, de thriller. Donc, en général, ça, c'est un peu leur dada. Avec Ryan Gosling, Chris Evans et Ana de Armas. Donc, la brochette incroyable d'acteurs. On est de nouveau dans le gros film Netflix de l'été. Hein. L'année passée, il y avait eu Red Notice avec Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. Ici, on a du Ryan Gosling et Chris Evans. Ça va, quoi. C'est pas rien. Alors, de quoi parle ce Gray Man? Comme toujours, hein, dans les trucs d'agents secrets, Gray Man, c'est le nom de code qu'on donne aux agents de la CIA. Et Court Gentry, alias Seria Six, qui est joué par Ryan Gosling, il est recruté dans une prison fédérale par un officier qui s'appelle Donald Fitzroy. Et lui, Gentry, était autrefois un redoutable tueur à gages à la solde de la CIA. Mais la situation a changé. Gentry est maintenant la cible de Lloyd Hanson, un ancien comparse de la CIA. Est-ce que vous suivez encore? Totalement déterminé à le traquer à travers le monde pour l'éliminer, mais l'agent Danny Miranda le couvre et il en aura besoin. Ça, c'est pour le synopsis qui a été fourni pour ce film. On va dire qu'on ne comprend pas tout. Peut-être que la bande-annonce va nous permettre d'y voir un peu plus clair. What do you know about the Sierra program? Reckless mystery men you guys send in when you can't officially send anyone else. The gray men. Lloyd. I got an urgent locate and destroy. That could be fun. The man's got some street cred. You hurt? I mean, my ego's a little bruised. They have something they really want. What's your gut? It's gonna be my funeral you're going to next. You wanna make an omelet? You gotta kill some people. J'étais muet, forcément tout va bien. Je dis que si tu veux faire une omelette, tu dois tuer des gens. C'est ce qu'on peut apprendre de cette bande-annonce. On peut apprendre aussi que ça a lagué un peu. Je sais pas si c'est toi, Thibaut, mais on enregistre à distance et l'image était Oui, c'était carrément arrêtée. dégueulasse. Ah, on n'a rien vu. Hein. Je Je sais sais pas pas si c'est ta si. connexion ou la mienne, mais enfin, ça doit être la tienne d'office. Hein. Ça Ouais, doit je pas sais être la pas. En tout mienne, cas, vu que que ce c'est pas soit moi bien qui de mon host. côté, c'était moche, mais c'est pas grave. Vous avez au moins entendu le son, c'est le plus important en podcast, on est bien d'accord, de cette bande-annonce que vous pouvez voir forcément partout, hein, The Gray Man. Vous allez, de toute façon, si vous ouvrez Netflix la semaine prochaine ou dans le 22, vous aurez ça partout, vous n'aurez pas le choix, vous n'allez pas pouvoir y échapper. Ouais. En fait, la structure du film, ça ressemble très fort à Red Notice aussi. Hein. On a deux acteurs stars qui se courent l'un après l'autre, avec un petit peu d'humour, oh là là, je fais une omelette. Mais à côté de ça, forcément, le cadre espionnage que normalement les frères Russo maîtrisent plutôt bien. Alors, j'ai envie de t'arrêter tout de suite sur le film d'espionnage que les frères Russo maîtrisent bien. Ah, en tout cas, Winter Soldier, c'était, allez, c'était un film d'action Marvel, mais il y avait quand même ce petit côté espionnage qui donnait plutôt pas mal. C'est vrai que paradoxalement, Winter Soldier est peut-être bien un des meilleurs Marvel et que c'est eux qui l'ont réalisé. Mais ici, c'est quand même pas la même chose, hein. Ah, juste Mais alors. la structure, je suis désolé, hein, c'est la, je suis très 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 fatigué. Je vais me lancer, ça va aller. Non mais alors la structure, par contre, oui, t'as raison. On a ce truc un peu, voilà, deux stars qui vont se courir l'une après l'autre.
et qui est assez classique de film d'espionnage, hein, voire, enfin, sauf qu'ici, tu sais, d'habitude dans les films d'espionnage, ils vont toujours dans deux, trois pays, parce qu'ils voyagent, faut prendre l'avion, machin, hein, je dois chercher mon ennemi qui est à tel endroit, enfin, classique. Ici, c'est pas deux, trois pays, c'est 45, tu vois, ils bougent tout le temps, tout le Ouais. temps. J'ai un peu l'impression par contre qu'ils font la tournée des pays low cost, hein. Tu vois, il y a Lituanie, République tchèque, Alors, tu vois les pays low cost en termes de destination aérienne, hein, genre on est bien d'accord, hein. Je ne dis pas que le pays est low cost, mais tu vois un peu ce que je veux dire, ils ne sont pas à Rome, quoi. alors, où est-ce qu'ils vont? Je me demande s'ils vont pas à Prague. Ils vont en Croatie. Ils vont, je sais plus où en Asie. Enfin, ils vont dans pas mal d'endroits vraiment. Mais bon, c'est pas spécialement toujours low cost, hein, ça va. Mais c'est vraiment le truc du film d'action, d'espionnage par excellence. Et ils l'utilisent à foison en permanence, ça c'est clair. Alors, l'histoire. Bon, en gros, c'est vrai que tu parlais de ça un peu avant qu'on commence à enregistrer. C'est un peu ça sans être ça, c'est-à-dire que c'est un peu Jason Bourne dans le sens où on a un sous-programme. De la CIA qui vont décider de fermer, hein? Et quand on ferme un programme, on ferme les agents qui vont avec. Donc, ils vont. Voilà, l'idée c'est qu'ils y passent un par un. Évidemment, il y en a un Sauf qui va Soria 6, comprendre un peu ce qui se passe bien entendu. grâce à un autre agent. Bref. Et évidemment, Ryan, pas content, il va pas se laisser faire. Voilà, pour faire très simple. Et il va rencontrer sur son passage une autre agent qui va l'aider. Voilà, pour faire simple, très simple. Pour faire super simple, le film a l'air d'être un peu plus, comment dire. C'est bien les frères Russo, on pense à des effets spéciaux prépondérants. Ici, qu'est-ce qui se passe? On a un mélange d'effets réels, d'effets spéciaux, ou on est quand même très fort dans le pâté bouseux, un petit peu, où on a des fausses places, des faux monuments, des faux trucs, et ça sent un peu trop le fake. Non, ils ont quand même bougé. Ils ont quand même bougé vraiment pas mal pour le tournage, donc ça va. Il n'y a pas 10 000 fonds verts non plus. C'est pas un film Marvel. Donc non, ça va. Il y a des environnements plutôt sympas, notamment au début, au moment où le personnage de Ryan Gosling, Sierra Six, va comprendre, enfin va commencer à comprendre que la mission en cours qu'on lui a donnée, elle est un peu bizarre. Elle pue un peu du cul. Il y a un truc qui est pas trop mal où ils sont dans un endroit où il y a une grande fête de la Saint-Sylvestre, enfin du 31 décembre de la nouvelle année. Et un moment où il se bat avec un type dans un endroit où il y a plein de. C'est l'endroit d'où les feux d'artifice partent. Et y a, voilà, c'est un truc un peu sympa, ça change. Et pour ce combat, enfin, visuellement, c'est intéressant parce que t'as des trucs qui partent et tout. Donc voilà. Il y a des petites idées, mais parfois, en fait, le problème, autant il y a des vraies idées qui parfois fonctionnent, mais le problème, c'est que les frères Russo, parfois, ils ont plein de bribes d'idées, enfin, ils pensent que ce sont des bonnes idées, et en fait, non, et ils en font rien. Et, ou alors, quand ils commencent vraiment à essayer de l'exploiter un peu visuellement, ils en font de la merde, c'est tellement mal filmé. C'est incompréhensible au niveau de parfois des courses-poursuites ou des bastons. Il y a une énorme baston à Prague avec une énorme course-poursuite. Ça va dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi. Et c'est limite illisible, c'est irregardable parce que ça n'a pas de sens, tu Tu n'arrives vois. pas à situer l'action d'un point de vue spatio-temporel, etc. Tu as juste une série de cuts qui, du coup, font une scène d'action, mais c'est pas cohérent, quoi. Oui, et puis c'est profondément débile et paresseux parce que par exemple donc à un moment ce type de la CIA qui veut faire éliminer tout ce programme il va mandater un tueur qui a lui-même été viré de la CIA il y a des années qui est incarné par Chris Evans. Pour faire le boulot que eux n'arrivent pas à faire. Voilà. Et ce type,
il va lui-même engager. Enfin, en gros, on lui dit ta carte blanche. Et donc, il va engager plein d'autres tueurs, des bandes de gars, des mercenaires, pour essayer de faire le boulot avec lui. Et dans cette fameuse bataille de Prague, il va les envoyer une par une, tu vois, et puis t'as un écran où t'as des têtes, et c'est limite, hop, tu fais des croix sur les visages petit à petit. Et c'est genre, ah, il y en a 5 qui sont morts, eh ben envoyons les 5 suivants, tu vois, et c'est du... Il y a zéro organisation, il y a rien, c'est très prévisible. Et qu'est-ce que tu veux prendre vraiment du plaisir devant ce genre de truc où tu fais, ah, ok, donc ce passage-là est terminé, maintenant on va passer à ceci. Ouais. Et en plus... Comme c'est mal filmé, voilà quoi. Ça pue le film de commande où vraiment ils ont suivi une certaine checklist en disant on va aller à Prague, on va faire ceci, cela, mais concrètement il n'y a pas une idée derrière, il n'y a pas, c'est pas le nouvel trilogie Bourne, quoi. Tu vois ce que je veux dire, où tu sens une vision, non, vraiment pas du tout. Non, non, il n'y a vraiment pas beaucoup d'idées de mise en scène, il n'y a pas beaucoup d'idées scénaristiques très intéressantes qu'on n'aurait jamais vues. Il y a un truc qui n'est pas trop mal non plus avec un personnage que le héros doit sauver. Mais c'est rien qui n'ait pas déjà été fait, vu ou revu, hein, mais c'est juste que voilà, les personnages sont pas trop inintéressants. Enfin, globalement, The Gray Man, ça pue un peu. Hein. J'ai quand même une question. Donc, ok, le film peut être pas terrible, ça, Netflix nous habitue un petit peu à faire des grosses productions qui sont pas ouf, hein, je pense à Red Notice notamment. Mais dans Red Notice, ce qui sauvait un peu le truc, c'était le côté over the top, le côté on s'amuse un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Toujours un peu le sourire en coin. Genre, on ne fait pas ça vraiment au sérieux, quoi, tu vois ? Et limite, ça peut sauver un peu le bazar. Est-ce qu'ici, il y a ça ou on se prend trop au sérieux et du coup, ça tombe vraiment à l'eau, quoi ? Alors, ça ne se prend pas au sérieux. Ce n'est pas comme Red Notice parce que Reynolds et The Rock ont quand même un certain humour, une certaine autodérision, etc. Ici, on a plus le côté un peu pince sans rire de Ryan Gosling qui te balance un peu de punchline. Ça fonctionne un petit peu. Et on a Chris Evans complètement en roue libre dans ce rôle de tueur psychopathe avec une petite moustache de pervers, des petits polos lignés. C'est particulier. Il se fait plaisir. il se fait plaisir, oui. Oui, il se fait plaisir. Mais ça s'arrête un peu là. Et malheureusement, Ana de Armas, j'avais envie de dire un peu qu'elle retrouvait son rôle de James Bond Girl, mais en plus longtemps, que cette scène de 15 minutes d'anthologie de No Time to Die. Mais c'est quand même un peu moins bien ce qu'elle fait, quoi. Enfin, c'est pas elle qui est pas bien, c'est juste le personnage qui est... Il n'y a pas de vision claire, il n'y a pas de truc, quoi. Ouais, voilà. c'est le personnage féminin. Oui, tu vois, c'est ça. Le personnage, genre... Enfin, elle est là un peu à la... malgré elle, tu vois. Et elle essaie de comprendre ce qui se passe. Enfin, voilà, genre de personnage un peu perdu par la situation. Donc. Un peu un point mort parfois. Bref. Voilà. Super. Si Ana de Armas est un point mort, ça devient compliqué comme film. Non, attends. On a toujours du plaisir à voir Ana de Armas. Oui, d'accord. Mais c'est pas que pour ça qu'on l'engage quand même, en général. Thibaut, du coup, quelle note tu donnes à ce film qui, j'ai cru comprendre, t'a pas donné envie de connecter sur Netflix le 22 juillet? Ben non, parce que le problème, je vais terminer par ça avant de donner ma note, désolé, c'est que j'ai beaucoup ri, mais à des moments où j'aurais pas spécialement dû, tu vois. Parce qu'en plus, les frères Russo, petite parenthèse, ils se prennent vraiment pour Michael Bay à des moments, tu vois, ils te font des plans, hop, on prend des drones, genre comme dans Ambulance, quoi, vraiment, ça n'a aucun sens. Ils vont dans tous les sens avec leurs drones, sauf que autant chez Michael Bay, ça allait dans tous les sens, mais... Quelque part, ça servait un petit peu ce qu'il essaie de montrer, parce qu'il fait pas du n'importe quoi. Alors eux, ça sert strictement à rien, c'est vraiment de la merde, ils te font plein de plans de drones des villes quand ils arrivent, et puis hop, ça te fait des demi-tours, des trucs. Ils se prennent vraiment pour Michael Bay, mais ça ressemble à rien. Bref, et donc j'ai beaucoup ri à des moments où je ne devais pas, notamment lors de ces moments-là. Bref, que donner ? Une étoile au mieux, hein ? Une étoile pour ce Grey Man. C'est dommage, beaucoup de gens l'attendaient, hein, ce film, quand même. On l'a rendu comme étant la super production Netflix de l'été. Ce qui est le cas. Mais c'est bon. Le cas. Il y a Billy Bob Thornton dans le film. Ça m'a fait plaisir de le revoir, quand même. Ben ça faisait longtemps. Hein. Il était là, heureusement. Donc, une étoile pour ce Grey Man. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, si vous le voyez notamment en Belgique. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations. Et surtout, passez un bon été.